qui a pris son essor avec les Auvergnats montés à Paris au 19e siècle, installés autour des se font vendre du bois et du charbon comme à la galouche d'Aurillac. Ben, j'ai commencé avec des dames charbon. Vous avez été pas fait tantôt à l'époque? Ah, ben non, vous avez été pas fait pour les dames charbon. Lui tient le collier. De belles réussites professionnelles partent de tartines de jambon de pays et de saucisses. Les Gougnats créent un empire, la casquette. Alors, c'est fini là ? Comme des rocs, toujours ancrés dans leur tradition régionale, dès que la cabrette. Ah, t'es quoi ? Ah non, elle lui tient la peau du cou. Oh ! Les qualités essentielles. Petit chat du voisin. Hein, hein ? Allez, Isa. Le bistrot rassemble toute la France populaire. Ah ben voilà. Refaire le monde, philosopher, ne pas être seul, à Saint-Malo par exemple. On va à la Saint-Pierre-et-Miquelon, pour aller voir les petites femmes là-bas, à bord. Eh ben. Ou sous des flots de bière, en Alsace. Oh, gros bébé. Entre deux parties de cartes, à Marseille. On ouvre avant l'aube, on ferme difficilement vers minuit. En vitesse, c'est le dernier, hein? Parce que c'est l'heure, hein? Et la patronne est mariée à son zinc depuis 50 ans, avec autant d'amis que de clients. Vous savez ce